Quelle est l'arme la plus efficace contre le stress? Si vous êtes quelqu'un de particulièrement stressé ou anxieux, vous avez sûrement testé plusieurs choses sur vous-même. Des méthodes de respiration, de la méditation, du sport. Vous êtes peut-être tourné également sur des solutions plus de psychologie, de thérapie. Il existe aujourd'hui des tonnes de solutions pour s'adresser au stress, pour pouvoir le diminuer, pour le rendre beaucoup plus vivable dans nos vies. Mais je suis tombée la semaine dernière sur une étude qui vient souligner une pratique en particulier dont je vous parle déjà sur cette chaîne, qui est déjà mon arme favorite pour contrer mon stress, et c'est celle de la gratitude. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes conseils et comment j'aime me servir de la gratitude pour justement mieux gérer mon stress, et tout cela sans journal de gratitude. Mais avant, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mathilde, je suis coach en mindset pour les entrepreneurs et les solopreneurs, et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à vivre la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. L'étude dont je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo vient démontrer que le stress et l'anxiété logent exactement au même endroit que la gratitude dans notre cerveau. Et donc si on expérimente du stress, on ne peut pas être dans la gratitude et inversement. L'anxiété et la gratitude ne peuvent pas coexister en même temps. Il y a évidemment d'autres études qui viennent démontrer que la gratitude justement a un effet sur la cortisol, qui est l'hormone justement du stress, qui vient réduire ce niveau, justement cette hormone dans notre corps lorsqu'on la pratique. Donc tout ça vient converger sur en effet le pouvoir de la gratitude, particulièrement sur le stress, et c'est l'angle sous lequel j'ai décidé de construire cette vidéo. Mais évidemment que la gratitude a des effets encore plus bénéfique que juste gérer votre stress, que la gratitude en soi est un mindset, c'est une attitude envers la vie, c'est une philosophie de vie, et ça va bien, bien au-delà que d'écrire trois choses pour lesquelles on est reconnaissant à la fin de sa journée. Mais revenons au stress et à l'anxiété. Le stress, c'est une perception de danger. Notre cerveau a analysé que dans cette situation, il y avait une possibilité d'avoir mal, de ressentir des choses qui nous font pas du bien, voire pire, le stress est un mécanisme qui a été créé dans notre corps pour justement mettre en place des hormones et un système justement d'activation pour prendre des décisions qui vont nous aider à survivre. Et ce processus de stress est le même, à plus ou moins haute intensité, lorsque vous faites courser par un lion ou lorsque vous êtes coincé dans les bouchons et vous avez peur de pas arriver à temps au restaurant pour voir un ami, quoi. Pourtant, les deux situations sont très différentes et n'ont pas du tout les mêmes conséquences sur votre survie, quoique ça dépend d'à quel point vous avez énervé votre pote, hein. Donc, tout est question vraiment de perception, et comme on est plutôt calibré à justement mettre notre attention sur tout ce qui pourrait nous éviter de la souffrance, il est donc très facile de tomber dans des spirales négatives et de se nourrir de scénarios dans sa tête de tout ce qui pourrait mal se passer pour nous donner une illusion de contrôle de la situation, que si on anticipe tout, on pourra tout gérer. Et autant je trouve cette capacité un outil fabuleux à utiliser peut-être en entreprise pour votre propre protection et celle des gens que vous aimez, autant ça peut tomber dans quelque chose de beaucoup plus malsain quand c'est lié à notre valeur perçue de nous-mêmes. Si vous sentez justement que vous commencez à rentrer dans des spirales négatives et que vous sentez que votre cerveau est en train de faire son petit jeu, de se nourrir justement de toutes les raisons pour lesquelles vous avez des raisons justement de vous éviter telle situation, lorsque vous vous observez dans ces spirales, c'est là que rentre cette arme très très puissante qu'est la gratitude. Parce que si justement on prend un pas de recul et qu'on étudie en effet toutes les ressources que vous mettez dans cette spirale négative, c'est tout simplement votre imagination, votre attention et votre temps, et que ces trois paramètres là vous pouvez les réinsérer sur d'autres choses et vous pouvez reprendre le contrôle dessus. Parce que souvent le stress c'est des réactions, on réagit à des événements qui nous donnent l'impression que l'on va avoir mal. Mais ce sont des impressions, ce sont des perceptions. À ce moment-là, demandez-vous réellement si c'est légitime de penser ça. Remettez en question justement vos propres pensées, parce que ce sont que des pensées. Et si vraiment il n'y a pas de perception de danger réel et légitime, et que vous rentrez dans cette spirale qui s'auto-nourrit, qui ne fait que de grandir, et qui est difficile justement à arrêter, parce que vous êtes vraiment, vous avez lancé une espèce de machine, vous avez lancé le vélo, le plus tôt possible, à ce moment-là, dites stop. Des fois, je me dis à moi-même, tais-toi, parce que je sais exactement que je répète complètement les schémas habituels et que ça ne me sert pas, techniquement, dans ma vie. Et c'est même pas que ça ne me sert pas dans ma vie, c'est que ça vient encourager mes peurs et mes insécurités, ça vient les nourrir
encore plus. Et donc ça demande en effet de la force mentale à ce moment-là de s'arrêter et d'arrêter ses pensées, reprendre le contrôle sur son attention, son imagination et son temps, et venir réorienter ça sur des choses qui nous servent. Et la gratitude nous sert énormément. On bloque complètement le système à ce moment-là, on laisse même plus de place à la tête de penser au passé ou au futur, et on revient tout de suite là maintenant sur ce qui se passe là, sur ce que vous avez là, accouplé à un sentiment vraiment de reconnaissance, pour ne pas laisser le choix à votre tête de se nourrir des choses négatives. Vous reprenez le contrôle dessus et vous lui dites non. Pour la simple et bonne raison que j'ai envie de bien me sentir, pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'être dans un état d'être et dans un état d'esprit plus positif, là maintenant tout de suite, remettez votre attention sur ce sentiment de reconnaissance. Et c'est là où moi j'ai deux approches que je vous conseille, d'aller profondément dans une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, ou de détecter le plus de choses possibles dans un minimum de temps, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant là maintenant tout de suite. Pour la première approche, d'aller plus profondément dans son sentiment de reconnaissance et de mettre complètement son attention et de vraiment d'y aller à fond, hein, vraiment d'aller vraiment profondément dans le sentiment de reconnaissance et de gratitude. J'ai une astuce en particulier qui m'aide énormément justement à reprendre conscience de la valeur d'une chose dans ma vie. C'est d'imaginer que cette chose-là n'existait plus et que là vous venez de redécouvrir cette chose-là. Cette chose-là, ça peut être quelque chose de votre corps. Imaginez que la semaine dernière, vous étiez blessé à un endroit de votre corps et que là, miracle, c'est entièrement réparé, vous avez récupéré cette partie de votre corps. Je sais pas, ça peut être, imaginez que vous aviez une énorme épine dans le pied et que vous pouviez plus marcher en fait avec le pied droit et que vous étiez du coup avec des béquilles peut-être et que bah, c'était un peu moins confortable d'être dans cette situation. Mais là, miracle, l'épine est partie et vous avez récupéré votre pied. Imaginez-vous et rentrez dans ce sentiment de wow, c'est quand même chouette d'avoir mon pied droit, quoi. Ça peut être un de vos sens. Imaginez-vous que vous avez été aveugle pendant une semaine et que là, vous retrouvez la vue. Utilisez votre vue et savourez ce sentiment de voir. Remettez-vous dans la conscience et la beauté que c'est d'utiliser ce sens. Et ça peut être d'autres sens. Ça peut être l'ouïe. Vous pouvez mettre votre attention sur les sons. Si vous aimez écouter de la musique, réappréciez une musique en particulier, savourez-la, rentrez vraiment dans le sentiment de gratitude. Je peux vous dire que n'importe quelle spirale négative ne survit pas à un sentiment profond, de reconnaissance. Si vous avez accès à de l'eau, j'ai pas d'eau là. Prenez une gorgée d'eau en vous imaginant que vous revenez de 24 heures dans le désert. Votre environnement, détectez les choses que vous possédez, ou les choses de la nature, détectez des choses qui participent à quelque chose de positif pour vous. Votre confort, si vous êtes assis sur une chaise, prenez cet objet, prenez un objet en particulier, et imaginez et ayez de la reconnaissance et de la gratitude pour la personne qui l'a construite, toutes les personnes qui ont participé à sa création et qui participe aujourd'hui du coup à votre confort à l'instant T de pouvoir vous asseoir à une table. Surtout pour les entrepreneurs, je trouve ça particulièrement pertinent justement de reprendre conscience de la valeur des choses autour de vous. Parce que si vous conscientisez comment ces choses-là ont été créées, pourquoi elles ont été créées, quelles sont leurs utilités, mais en termes de créativité, ça va vous booster un maximum. Vous mettez justement votre attention sur tout le process entrepreneurial de créer quelque chose pour aider l'humain, et j'en ferai une vidéo complètement séparée là-dessus parce que ce n'est absolument pas à négliger. C'est dans cet état d'être justement qu'on peut justement créer et apporter. C'est pas quand on stresse et qu'on est en mode survie et qu'on pense à sa survie qu'on crée des choses pour l'humanité et l'humain et la planète. Donc pour les entrepreneurs particulièrement, n'hésitez pas à mettre votre attention et votre gratitude et votre reconnaissance sur toutes les choses qui participent aujourd'hui à votre bien-être d'humain. Et en parlant d'humain, vous pouvez aussi aller plus profondément dans ce sentiment de reconnaissance pour les personnes que vous aimez. Imaginez une personne et essayez de trouver un maximum de détails et de choses sur pourquoi vous aimez cette personne, qu'est-ce qu'elle vous fait sentir, pourquoi vous êtes reconnaissant ou reconnaissante d'avoir cette personne dans votre vie à l'heure actuelle. Encore une fois, peu importe où vous mettez cette attention, essayez d'aller profondément dans le sentiment de reconnaissance. Je mets n'importe qui au défi de vraiment sérieusement faire ça pendant une semaine et de me dire comment il se sent à la fin de cette semaine, s'il n'a pas profondément changé ses pensées, profondément changé sa vision du monde et son humeur globale, si ça n'a pas changé sa créativité, si ça n'a pas changé ses relations, si ça n'a pas changé la qualité de son travail. Vraiment, sincèrement, je pense que la gratitude, c'est
une des meilleures façons d'utiliser votre attention et votre énergie et votre temps pour déjà, dans un premier temps, apprécier vraiment votre vie, parce que ça sert à rien d'essayer de chasser et toujours aller chasser le prochain truc qu'on veut avoir si à chaque fois qu'on chasse, on n'arrive pas à les apprécier. Mais c'est là toute la beauté de la chose, c'est que ça nous met dans un état d'esprit, dans un mindset, parce que pour moi, la gratitude est un mindset avec lequel on se donne beaucoup plus de chances aussi de créer et de poursuivre justement les choses qu'on a envie de poursuivre. C'est du win-win, clairement. Alors que les spirales négatives, quand vraiment c'est des spirales négatives, c'est du lose-lose. Et ma deuxième approche de la gratitude, elle est plus du coup sur de l'abondance de gratitude. Et là, j'aime bien intervenir comme un jeu. Donc si vraiment je suis dans une spirale négative et là que je m'observe et je me dis « Oh là 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 là, on arrête ça tout de suite » et que je suis d'humeur justement à jouer, là j'ai trois jeux justement, et vraiment je les vois comme des jeux. J'en choisis un et je sais qu'à la suite de ça, bah, j'aurai complètement coupé la spirale et je serai dans un tout autre état d'esprit. Et si un jeu n'a pas suffi, ben je m'en remets un deuxième et un troisième et on continue à jouer jusqu'à ce que je me sente mieux. Le premier jeu est de retenir sa respiration et d'essayer de détecter un maximum de choses pendant ce temps-là, de toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissant là, maintenant, tout de suite. Même liste que tout à l'heure, ça peut être de votre entourage, ça peut être une partie de votre corps, ça peut être... voilà. Mais le but, c'est de venir chercher un maximum de choses. Le deuxième jeu, c'est de venir fermer les yeux et de se dire que lorsqu'on va les rouvrir, on va essayer le plus rapidement possible de détecter un truc pour lequel on est reconnaissant. On peut le faire plusieurs fois, refermer les yeux, essayer de redétecter quelque chose. Vraiment, ça met son attention sur bien autre chose que sa spirale négative. Et le troisième exercice, c'est de se donner du coup un temps, un chrono, et sous ce temps, comme avec sa respiration, de détecter un maximum de choses, encore une fois, pour lesquelles on est reconnaissant. Et vraiment, je le fais pas avec un papier et un crayon personnellement, et c'est pour ça que je rigolais un peu plus tôt dans le début de la vidéo, mais écrire trois choses pour lesquelles on est reconnaissant par jour, c'est bien, c'est une porte d'entrée à la gratitude, et c'est toujours mieux que rien. Mais on n'est pas obligé d'acheter un journal de gratitude pour faire cette pratique-là, il y a tellement de manières de la faire différente, et je trouve ça dommage de s'en priver et de ne réduire ça qu'à trois choses de sa journée à la fin de la journée. Si c'est pour que le reste du temps, je suis plus en train de détecter tout ce qui va mal et tout ce que je n'ai pas, je trouve que ça sert pas à grand chose, non? Et en effet, ça va être un peu la conclusion de cette vidéo, parce que justement, la gratitude est un mindset. C'est une attitude, c'est une philosophie de vie, c'est quelque chose qui est accessible à chaque moment de votre journée. On a toujours le choix de venir percevoir les choses de telle ou telle manière. Ce n'est pas notre mode par défaut de venir détecter et être reconnaissant pour toutes les choses, tout le temps dans notre journée, quand on est calibré justement à plutôt survivre. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Parce que des fois, il faut aller un petit peu à l'encontre de ses propres pensées, ne pas croire tout ce qu'on pense et choisir. Parce que pour moi, la gratitude, c'est aussi un choix. Choisir d'apprécier, de savourer, de cultiver toutes ces bonnes choses de la vie, plutôt que de nourrir ces peurs, ces insécurités qui nous bloquent justement dans notre chemin pour ressentir tout ça, nous bloquent dans notre créativité, parce que quand on est en mode survie, on n'est pas créatif, on n'est pas en position d'apporter au monde, d'apporter aux autres, on est dans une phase où on se replie. Donc pour les entrepreneurs, les solopreneurs et toutes les personnes qui créent dans cette vie, c'est même nécessaire et ça vous donne un sérieux avantage sur les autres qui ne la cultivent pas. Encore une fois, je vous mets au défi de tester réellement ça pendant votre semaine et de détecter profondément et en quantité toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie, dans la nature, dans tout ce qui vous entoure, de vraiment sérieusement faire l'exercice et cette promesse d'essayer de vraiment cultiver ça au maximum cette semaine, et de revenir dans une semaine en commentaire, me dire comment vous vous sentez et si ça n'a pas changé des choses dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'avais très envie de parler de gratitude, et je vous mettrai aussi deux liens vers deux vidéos que j'avais déjà faites un petit peu sur le sujet auparavant, sur le stress et la gratitude, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans ces sujets-là, parce que ces deux vidéos datent d'il y a un an maintenant, et j'ai personnellement beaucoup évolué sur le sujet, et beaucoup cultivé justement ces sentiments-là. Je me suis aussi égaré beaucoup à ne plus cultiver la gratitude, donc j'ai vu aussi le coup que ça a eu sur ma vie, de me laisser un petit peu trop aller dans mes spirales négatives justement, et d'être revenu assez récemment sur vraiment la promesse de venir détecter et d'être reconnaissante pour un maximum de choses. Et je vois tellement les conséquences que ouais, je pouvais pas m'empêcher de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!